Bonjour, ici c'est Janet Gomez de NutriDirty.ch. Et aujourd'hui, je vais aborder le thème comment utiliser un pot neti ou un luta. Si c'est la première fois, il est préférable de vous engager à l'utiliser pendant au moins 3 semaines tous les matins avant de décider s'il y a lieu de l'utiliser de façon régulière. Vous devez d'abord préparer la solution pour le luta. Il est constitué d'eau chaude avec un peu de sel de mer de préférence. Pour préparer la solution, ajoutez environ un quart d'une cuillère à café de sel dans une tasse d'eau tiède et mélangez jusqu'à ce qu'il se dissout complètement. Un bon moyen pour vérifier si vous avez ajouté la bonne quantité de sel et de goûter la solution. Il doit avoir un goût légèrement salé, comme une soupe. Ensuite, testez la température de l'eau avec votre doigt. S'il fait chaud au toucher, il sera sans doute trop chaud pour le nez. De l'eau plus tiède peut soulager des maux de tête ou des problèmes de sinus. Mais au début, utilisez de l'eau légèrement tiède. Une fois la solution préparée, vous êtes prêt à commencer. Remplissez le lota avec la solution. Installez-vous dans la salle de bain devant le lavabo. Commencez par votre narine droite. Mettez le bec dans la narine et inclinez la tête légèrement vers l'avant et vers la gauche. Ouvrez la bouche et inclinez le lota jusqu'à ce que l'eau commence à couler de la narine dans le lavabo. Respirez tranquillement par la bouche. Ensuite, redressez la tête et fermez la narine gauche doucement avec le doigt, tout en soufflant doucement à travers votre narine droite pour l'égoutter. Remplissez le lota et répétez la même procédure avec la narine gauche. Après avoir terminé le nettoyage des narines, pliez la tête en avant, puis à gauche et à droite pour libérer le liquide qui reste. Si cette information vous a plu et vous souhaitez apprendre plus à ce sujet ou vous souhaitez acheter un luta, consultez neti.nutridioti.com. Je vous remercie pour votre écoute.